Bonjour tout le monde, ici Caribou Canadien qui vous parle. J'espère que vous allez bien parce que moi je vais super bien. Allez, on continue l'aventure du jeu Black Sad Under the Skin live sur la chaîne du Caribou Canadien. Oh yeah! Jack n'était ni chez lui ni dans son bar habituel. Mais au troisième essai, j'ai réussi à le trouver. Salut, c'est Tish, comment ça va? Celui-là dispose d'une protection frontale intégrée, tout comme Jake. Je me demande combien de pain dans la poire un boxeur peut bien se manger au cours de sa carrière. Trop. Il n'a pas inventé l'eau froide et il manque carrément de tact. Est-ce que je peux lui faire confiance? Non. Est-ce que je le considère comme un ami? Oui. Il traîne avec le même short depuis Dieu sait combien de temps. J'espère qu'il ne sera jamais d'humeur à me cogner. Il fait deux fois ma taille. Hey, salut. Hey, on se concentre. Salut, Jake. Pas maintenant, John. Salut, Jake. J'ai dit pas maintenant. Salut, Jake. J'ai dit pas maintenant. Je tresse pareil. Non, pas maintenant, c'est pas maintenant. Le cerveau des racistes déborde tellement de haine qu'il ne reste plus assez de place pour des points de détail comme le bon sens ou l'orthographe. Nous voici cependant confrontés à un cas où l'auteur, apparemment plus cultivé que la moyenne, a cherché à corriger son erreur, avec un succès très relatif. Les rapports médicaux. Bon, j'ai fait ça. Ah, ce salopard n'est pas du tout le médecin de Yale. Hmm.
En allant en haut. Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier? Allez, Paul. Elle est pas là, bien rien. Salut, Jake. J'ai dit pas maintenant. Ça va être qu'un. Je peux te sortir. Ah, je vais aller voir là. Bon, on va aller au téléphone, la seule solution que j'ai. Bon, on peut pas aller au téléphone, ça va bien. Je suis pas sûr qu'est-ce qui se passe. Il m'est déjà arrivé de déchiqueter un sac comme ça. J'étais particulièrement énervé. Je vais aller sur le toit, je vois pas ce que je... Je peux même pas aller sur le toit.
Oh, la cloche. Oh, allez. Bon, allez, c'est bon. Pause. Va souffler. Putain. Quoi, John? Qu'est-ce qu'il y a de si important? T'es l'entraîneur de ce type? Ah bah ouais, t'es pas au courant? Sonia m'a demandé de m'occuper du gymnase. Enfin, de la partie marrante. Dès que Bobby Yell sera remis sur pied, je ferai de lui un champion. Avec moi, il va en faire de la bouillie de Stone. Tu verras. Quoi? Pourquoi tu me regardes comme ça? C'est la première fois que tu entraînes quelqu'un? Ouais, mais... Tu me crois pas capable d'y arriver, c'est ça? Eh ben va te faire foutre. Ce combat, on va le gagner. Pourrais-tu me dire où se trouve le quartier général d'O'Leary? Hey, Wild One. Pourquoi faire? Oh non, 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 non. Tu vas m'attirer des ennuis, pas question. Tu m'as menti hier, mais vu que je suis ton ami, j'ai gardé ton secret. Tu m'es redevable. Je ne pense pas que je continuerai à te protéger si nous n'étions pas amis. Si nous étions amis, tu n'aurais pas hésité une seconde à m'aider. Dis-moi, Jack, on est amis ou pas? Foutu chat. Ok. La planque d'O'Leary se trouve au sous-sol d'un restaurant chinois. Mais je sais même pas comment y entrer. Aurais-tu remarqué quelque chose de bizarre chez Sonia? Je sais pas, hier elle a dit qu'elle détestait le gymnase. Elle a l'air de vouloir se battre pour le sauver. T'y comprends quelque chose? Parce que moi, non. Les gens sont comme ça. On dit un truc et on fait exactement le contraire. Vouloir un peu de cohérence, c'est vraiment trop demandé. T'as passé une bonne fin de semaine, Wild One? Bon, eh ben, à ce soir. Ne sois pas en retard. Wild One, Wild One. Ronald, fin de la pause. Après 30 heures de boulot et quelques bonnes raclées, tous les os de mon corps aspiraient à retrouver mon lit. Allez, à mon tour. Je suis donc rentré chez moi afin de reprendre des forces. Car la nuit s'annonçait prometteuse. Ok, merci. C'est un jeu français, ça. C'est Microïd qui fait ça. Que sais-tu à propos de ce sous-sol? Alors laisse-moi réfléchir. Rien. Jake, ne te fous pas de ma gueule. Creuse-toi un peu les méninges, tu dois bien savoir quelque chose. Je suis passé prendre O'Leary plusieurs fois ici, mais on m'a toujours fait attendre en salle. Une fois, il était si tard que le restaurant avait fermé. Ils m'ont demandé d'appeler depuis le téléphone de cette ruelle, là-bas, pour les prévenir que j'étais arrivé. Quelques minutes plus tard, O'Leary est sorti par derrière, par la porte rouge, là. Bon, tu vas rester près du téléphone. Moi, je vais entrer. Si tu vois quelqu'un, tu appelles le même numéro que la dernière fois. Tu laisses sonner deux fois, et tu reviens. Va te faire foutre. Une nuit clairement des plus prometteuses. Vous êtes sur le territoire d'Oléongtong. Ça, débile! Traitant de coyote! J'imagine que ça doit s'allumer lorsque quelqu'un sonne à la porte de devant. Il a vraiment besoin d'un fusil à pompe pour accueillir les fournisseurs. Il est bête, ce canard. S'apercevrait-il de ma présence si j'entrais?
Ça mène peut-être au sous-sol. Ça, débile. Qu'est-ce qui s'est passé? Faut se tailler? Tu trouves que j'ai l'air pressé? Il y a un type qui regarde la télé à l'intérieur du resto. Un panda roux, je crois. Ça me dit rien. J'ai pas souvenir d'un serveur panda. T'as fini? À ton avis. Un panda roux. Par la porte de derrière, on peut voir un couloir qui pourrait mener au sous-sol. Ça dit quelque chose? O'Leary sort parfois par un couloir, mais va savoir si c'est celui-là. Pourquoi ça prend si longtemps? Eh hey, oh, tu veux ma place? Vise-moi un peu ce graffiti. Vous êtes sur le territoire d'Angleton. Ça alors? Je croyais que la guerre des Tongs était finie depuis des années. Quelqu'un a peut-être fait une petite crise de nostalgie. Putain de mafia chinoise. Ah bah oui, c'est sûr que les mafias américaines sont tellement mieux. Il faudrait que tu ailles sonner à la porte de devant. Y'a un bar dans cette ruelle, t'as picolé ou quoi? Compte jusqu'à 30. Sonne, puis cours jusqu'à la voiture. Pigé? Tu pourrais m'envoyer un paquet de Natalia après ça. Bon, tu vas faire quoi maintenant? Je vais ouvrir la porte avec mon rossignol une fois à l'intérieur. Je n'ai pas encore décidé si je prendrai le couloir ou la porte à droite. C'était pas une bonne idée. Tabarnak! Tu pourrais m'envoyer un paquet de Natalia après ça. Bon, tu vas faire quoi maintenant? Je vais ouvrir la porte avec mon rossignol une fois à l'intérieur. Je n'ai pas encore décidé si je prendrai le couloir ou la porte à droite. Je sais pas quoi faire. Hein. Tu pourrais m'envoyer un paquet de Natalia après ça. Si tu veux que je vois plus vite. Tu vas faire quoi maintenant? Je vais ouvrir la porte avec mon rossignol une fois à l'intérieur. Je n'ai pas encore décidé si je prendrai le couloir ou la porte à droite. Oh, il y a un timer. Oh. Ok, faut pas que je prenne un couloir. Ça, c'est réglé. Tu pourrais m'envoyer un
rien après ça. Bon, tu vas faire quoi maintenant? Je vais ouvrir la porte avec mon rossignol. Une fois à l'intérieur, je n'ai pas encore décidé si je prendrai le couloir ou la porte à droite. Hélas, la serrure de cette porte n'était pas d'un modèle très ordinaire. Il a donc fallu mettre le paquet. Ah, oh, c'était ça la porte! Je pensais que c'est la porte quand on venait de rentrer, ça. Je pensais que c'était... En tout cas, je comprends. Je comprenais pas, là, je comprends. Moi, de quelle porte qu'il parlait? Trouver une source de lumière avant que le briquet s'éteigne. Pas que je comprends rien. Il bloque partout. Certaines réponses ont tendance à arriver que lorsqu'il est vraiment trop tard. Trouver une source de lumière. La vois-tu, la source de lumière, toi? Une carte, c'est pas ça que je veux. Hey, c'est pas géant, là! Je suis bloqué partout. Chose qui va pas. Je vais juste garder en ligne vite fait parce que là. Oh non. Non, 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 pas maintenant. Certaines réponses ont tendance à arriver que lorsqu'il est vraiment trop tard. Ouais.
J'aime pas garder en ligne, mais là, il y a des limites. Qu'est-ce que je vois pas? Je sais pas c'est où. C'est venir vers l'escalier de nouveau. Certaines réponses ont tendance à arriver que lorsqu'il est vraiment trop tard. C'est bon, j'ai rien de garder. Ah, il y avait des émissions là-dessus? Des dessins animés ou... Ou les bandes dessinées, je sais qu'il y avait des bandes dessinées. Elle l'a même pas eu, lui non plus. Ok. On prend beaucoup faire qu'il marquait pas. Ah, c'est là. Où t'as réussi à pogner l'angle parfait. Tabarouette. Utiliser pour et activer le nouveau point d'intérêt. La porte qui est là, là, je viens de voir d'autres choses. Qu'est-ce qu'il y a là? J'aurais pu m'en servir pour entrer, mais il sera peut-être encore plus pratique pour sortir. Oh, qu'est-ce qu'il y a là? Ils refont les moquettes. Ah, d'accord. Oh. Moi qui m'attendais à tomber sur des cadavres congelés. Une drôle de division dans le mur. Ça ne veut pas bouger. Il y a une craque dans le plancher. Là.
Ah, d'accord. Et voilà. Moi, j'ai jamais vu ça, c'était le français. O'Leary a des amis partout. Faites un petit Google. Moi, je connais pas ça du tout. J'ai jamais vu ça. À part que je sais que c'est un jeu. Je pense qu'il y a des bandes dessinées aussi, mais. Il y en a un sur chaque table. Sauf sur celle-ci. Les chances en faveur de Stone sont écrasantes. Je sais que c'est le champion en titre et que Bobby Hale n'est qu'un challenger, mais se pourrait-il que des rumeurs sur son hospitalisation aient circulé? La vache! Je ne m'imaginais pas qu'on pouvait placer autant de paris sur un même match de baseball. Berry, fraise des bois. Seize jours avant le combat. Parfois, j'oublie que les criminels, même ceux qui bossent dans les bureaux, ont une famille et des enfants. Tout n'est peut-être pas si noir du côté obscur. Un petit gadget qui fait les calculs tout seul. On n'arrête pas le progrès. On dirait un résumé de tous les paris placés. Jour, montant, pari, parieur. Et la minute. O'Leary en personne a misé $5,000 sur hier. Serait-ce en Irlande? Je dirais que c'est aussi en Irlande. Le tableau dissimulait une multitude de dossiers sur des célébrités en tout genre. De S à Z, il concernait en grande majorité des athlètes.
O'Leary parlait-il de cela lorsqu'il disait que les détectives et la police étaient ses amis? Combien d'espions a-t-il donc disséminé un peu partout? Et si moi je choisissais de collaborer, qui pourrais-je bien espionner pour lui? Le dossier concernant Bobby Yale ne contenait qu'une feuille de ses incroyables statistiques d'aspirant champion. 20 victoires, dont 16 par KO. Néanmoins, en bas de la page, quelqu'un avait souligné plusieurs fois un unique mot. Intouchable. D'après le dossier sur Stone, ce dernier était tellement clean et résistant à la corruption qu'O'Leary s'était vu contraint d'opter pour une stratégie plus subtile. Apparemment, après avoir rompu avec la joueuse de tennis Helen Moore, il s'était arrangé pour la caser avec Stone. Les deux ayant bien accroché, il avait réussi son coup. Mais alors que je rangeais le dossier, quelque chose attira mon regard. Avais-je vraiment envie de savoir ce qu'O'Leary avait déniché sur mon grand ami, l'incorruptible commissaire? Après avoir lu le contenu du dossier, je poussai un soupir de soulagement. O'Leary avait tenté d'acheter Smirnoff à de multiples reprises, mais sans succès. Par chance, O'Leary n'avait donc rien sur lui, ni sur moi. Thorpe avait été une star montante du football américain avant la guerre. Il en était revenu avec les honneurs et plusieurs décorations. Après l'armistice, il avait repris sa carrière et remporté 3 championnats, ainsi que quelques trophées de meilleurs joueurs. Mais il s'était retiré après un accident qui l'avait laissé paraplégique. Il avait alors lancé sa propre société de promotion des sports 4 ans auparavant. Et apparemment, O'Leary n'avait jamais tenté de le corrompre. Okay. S'ils ne sont plus ensemble, pourquoi O'Leary conserve-t-il autant de photos de moments romantiques avec Helen Moore? Édition limitée, exemplaire 2 sur 3. Un oiseau dans l'enchantement, rossignol avec véhémence. Nous écouterons si tu veux sa sentimentale romance, car il est l'une dans tes cheveux. Les dossiers couvrant les lettres de N.A.R. ne concernaient apparemment personne que j'ai pu relier à l'affaire. Une chance? Difficile à dire. Namzarek. Le personnage bouge bizarre. Un crossler. La bonne nouvelle, c'est que je n'aurai pas besoin de mon rossignol pour l'ouvrir. La mauvaise, c'est que j'ai oublié mes explosifs à la maison.
Francis. L'Irlande, bien sûr. Ça tourne à l'obsession. Ok. L'autre, il y a vraiment une lampe, j'ai pas vu tantôt. Le dossier sur Cassidy était probablement le plus chargé de toute la bibliothèque d'O'Leary. Leur rivalité remontait apparemment à longtemps, et ils avaient souvent fait appel à des techniques particulièrement tordues afin de s'espionner mutuellement. Mais j'avais au moins trouvé de quoi confirmer ce que Yale m'avait raconté. Cassidy avait menacé Dunn après que ce dernier ait refusé de rejoindre le syndicat des managers. Le dossier concernant le père de Yale était le plus court de tous, étant donné qu'il ne restait que son nom. Pourquoi ? L'intégrité de Dunn était légendaire, même dans les rapports insidieux d'O'Leary. Comme Yale l'avait raconté, Dunn avait effectivement viré du gymnase l'un des hommes d'O'Leary lorsqu'il l'avait découvert en train de fumer. Ok. Le dossier sur Ellen Moore était de loin l'un des plus juteux. Elle n'avait été qu'une joueuse de tennis ordinaire jusqu'au jour où O'Leary avait lancé sa carrière en truquant suffisamment de matchs pour lui permettre de grimper dans les classements. Cependant, O'Leary n'avait plus trafiqué un seul de ses matchs depuis plus d'un an. Et malgré tout, elle était demeurée invaincue. Une chose était certaine en tout cas. O'Leary disposait de bien plus d'informations que nécessaires pour ruiner sa carrière. Aussi étrange que cela puisse paraître, le dossier mentionnait qu'O'Leary avait recruté Jake comme garde du corps précisément parce qu'il était au-dessus de tout soupçon. Apparemment, O'Leary appréciait d'être entouré de gens honnêtes lorsqu'il allait se pavaner dans la haute société. Bon. Je peux le faire. Ok, j'en ai 10. J'ai l'impression qu'O'Leary fait chanter Stone en le menaçant de bousiller la carrière de Moore. Thank you.
Faut sortir encore, enfin, j'ai pas fini. Y'a rien dedans pour ce petit poisson-là qui me regarde dans les yeux. J'espère ne jamais devenir l'objet de l'obsession d'O'Leary. Ah tiens, là. Même Don avait une arme dans son bureau. Alors O'Leary n'allait certainement pas faire exception. Et le dernier bureau. Don avait $200 dans son coffre. O'Leary en avait dans les 20 000, dans un tiroir. Et voilà. Jake. Quelqu'un arrivait. Franchement, on n'est pas des employés modèles. Nous voilà au beau milieu de la nuit. Ah, j'étais dans les bords. Ça va, un choix sur deux, esti. Jake. Quelqu'un arrivait. Franchement, on n'est pas des employés modèles. Nous voilà au beau milieu de la nuit. Alors, Jimmy, t'en penses quoi, hein? Je pense qu'il est en train de se chier dessus, Desmond. Mais pourquoi, Jimmy? On a sorti le tapis rouge pour toi. On t'a même amené dans le bureau du patron. T'en as de la chance, toi. Tu peux pas dire que je te traite pas comme un prince, Jimmy. Réponds, connard. Oui, oui, bien sûr, comme un prince. Mais pourquoi vous... Du calme. Depuis combien de temps tu bosses pour moi, Jimmy? Trois mois. Ah oui, je t'ai embauché juste après la mort de ton cousin Marty. Alors dis-moi, Jimmy, toi, qu'est-ce que tu ferais d'un type qui fauche un innocent avec sa bagnole avant de prendre la fuite? Je sais pas. Je sais pas. Oh, et toi, Wilson, qu'est-ce que tu ferais? Non, 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 je vous en supplie, non! J'ai rien fait du tout, je vous jure, vous devez me croire! C'était un type bien. Mais ça, tu le savais déjà. Tu le connaissais mieux que moi, pas vrai? C'était mon cousin. C'est pour ça que je t'ai engagé, Jimmy. Tu vois, Martine était un très bon ami. Et sa veuve nous a assuré que t'étais un chic type. Et que tu ferais du bon boulot. Et que t'avais besoin d'argent.
Et moi, j'aime aider les gens dans le besoin. Mais tu sais quoi? Hier, j'ai discuté avec elle. Elle nous a raconté ce que tu lui avais fait avec ce flingue, Jimmy. Ouais. Non, c'est pas une façon de traiter une femme. Elle a menti. Pourquoi j'aurais fait ça? Et pour le gosse, Jimmy? T'es vraiment sûr de savoir combien de temps un gosse peut retenir sa respiration? Avec la tête dans la culotte des chiottes? Fils de pute! Je voulais pas faire ça! C'était son idée! C'était un peu égoïste, mais j'étais plutôt content de ne pas avoir risqué ma vie pour sauver un certain Jimmy. Alors oui, on aurait pu arguer que même un type comme lui ne méritait pas de mourir, mais il m'a semblé d'autant plus vrai qu'une personne comme moi ne méritait pas de mourir pour un type comme lui. Qui a fait ça? Je veux un nom! Cassidy, c'était son idée. Il a dit que vous m'engageriez si j'arrivais à effrayer la meuf. Ok, ok. On se calme. Tout va bien se passer. Il y a deux principes dans la vie que je considère comme sacrés. L'argent et les hommes. Le premier, ah, par rapport, c'est l'amour de ma famille. Je ferai n'importe quoi pour la protéger. Le second, c'est de ne jamais laisser mon avenir entre les mains du hasard. Je joue toujours la sécurité. Et je crois que je pourrais même y ajouter un troisième principe. Ou plutôt, une règle. Si quelque chose met en danger l'un de ces deux principes, je préfère prendre les choses personnellement en main. La première fois que j'ai fait tuer quelqu'un, même si je me suis contenté de le Non, mais arrête de m'interrompre. C'est très mal poli, on ne t'a jamais appris ça. Allez, tu sais quoi? On va en rester là. Oui, tu vas apporter un message à ce gros tas de graisse de Cassini. Oui, tout ce que vous voudrez. Bon. Alors, on va pas regarder les deux. Quel est le message? Oh, Jimmy, voyons. Ah. T'as toujours pas pigé, hein. Oh. C'est toi. Oh. Oh. C'est toi le message. Bye bye. Allez, emballez-moi ça. Assurez-vous que Cassidy ait le message au petit déjeuner. Ok, les gars? Compris. Bon appétit. Où est-ce que tu te caches, mon petit bubule? Une fois de plus, tu n'as pas entendu la fin de mon histoire. Aller comme ça, mon gros minet. Non, c'était pas ça qu'il fallait faire. Dans la vie, il y a deux principes que je considère comme sacrés. Le premier, c'est l'amour de ma famille. Le second,
Vous jouez toujours la sécurité. Vous vous croyez drôle, monsieur Black Sad ? Dans la vie, il y a deux principes que je considère comme sacrés. L'amour de votre famille. Mais qu'est-ce qu'ils ont tous aujourd'hui ? Bon. Ah, faut pas l'interrompre. Il y a deux principes que je considère comme sacrés. Le premier, c'est l'amour de ma famille. Le second, ne jamais laisser mon avenir entre les mains du hasard. Je joue toujours la sécurité. Je crois que je pourrais y ajouter un troisième principe, ou plutôt une règle. Si quelque chose met en danger l'un de ces principes, je prends les choses en main La première fois que j'ai fait tuer quelqu'un, même si je me suis contenté de le dénoncer, eh bien le gars a terminé dans l'Hudson, après un joli plongeon du quai 27. Il a dû servir à nourrir les copains de mon poisson. Si vous aviez pu voir sa tête. Les choses qui vous viennent à l'esprit lorsque vous pensez que vous allez mourir sont toujours assez surprenantes. Ainsi, j'ai subitement réalisé à quel point j'avais envie d'avoir un aquarium. J'avais 14 ans, il arrivait encore un rêve de lui, de sa veuve, de son fils. Ma décision était prise. J'allais m'acheter un poisson. Mais d'abord... Pour moi, désormais, que j'appuie sur la gâchette ou pas, c'est du pareil au même. Limite même, j'adore ça. Au cas où quelqu'un aurait le moindre doute sur l'identité du patron, je vais poser mes pompes dégueulasses sur cette table luxueuse, histoire de prouver qu'ici, tout m'appartient. Ses pupilles sont dilatées et son visage est déformé par un léger sourire. Ce salopard s'amuse comme un petit fou. Lorsqu'un parrain de la pègre vous parle de son amour de la famille, il n'y a que deux interprétations possibles. Petit A, il n'hésitera pas à briser la vôtre. Ou petit B, il trompe sa femme. Ce type n'hésitait jamais à appuyer sur la détente. Même si je n'avais pas vu ce qu'il avait fait à Jimmy, je n'avais aucun doute sur le fait qu'il ne rigolait pas. En dépit de la tournure qu'avaient prise les événements, je savais au fond de moi que je possédais les ressources pour me tirer de ce mauvais pas. Ah, j'ai trouvé pour un coup. J'y crois pas. La femme d'O'Leary a une liaison avec Colbert. Devrais-je servir cette info à O'Leary sur un plateau d'argent? Ou bien menacer Colbert pour qu'il me sorte de ce merdier? Bon, eh bien... Je crois que c'est tout. Vous savez quoi, Black Sad? Je crois bien que je n'avais jamais... Félicitations. Vous allez quitter la scène avec style. Je ne voulais pas vous interrompre, étant donné que je vous respecte et que je respecte votre parole. Mais c'est Colbert qui m'a demandé de venir. Quoi ? Moi ? Mais non ! Tu as fait quoi ? Colbert ? Mais quand ça ? Eh ben...
C'était quoi le nom de ce bar, déjà? À l'angle de la 33e et de Main Street. Bon, bref, il y avait ce type bourré, là. Tu te souviens, Eugène? Non. Il arrêtait pas de parler, il se vantait de se taper la femme d'un autre, tout ça. Oh, ah oui, oui, oui. Quelle époque, hein? Eh ouais. Et après, tu m'as félicité pour avoir retrouvé Yale et pour t'avoir sauvé la vie. Ben oui, plusieurs fois. Ensuite, tu m'as assuré qu'O'Leary saurait se montrer reconnaissant. Ouais, enfin, j'ai pas tout à fait dit ça comme ça, mais... ouais. Et donc, tu m'as conseillé de passer pour voir ça directement avec le patron. Ouais, c'est assez mérité, il me semble. Pas vrai, Desmond? Oh, Black Sad, Black Sad, Black Sad. Je vous remercie. Et désolé d'avoir tiré des conclusions hâtives. D'abord, Wilson vous a rudoyé sans raison. Et maintenant ça. Reconnaissez tout de même que j'avais de bonnes raisons de vous soupçonner, non? Vous vous êtes enfui de chez Yale, après tout. Comme vous le savez, dans ce monde, on ne peut faire confiance à personne. Prenez-le, c'est mérité. J'ai beau apprécier le geste, je ne veux pas de votre argent. Très bien, je comprends. Pas de souci. Absolument aucun. Oh, Black Sad. Juste comme ça. Ne trouvez-vous pas l'heure un peu inconvenante pour me rendre visite? La chose avait certes son importance, mais je n'irai pas jusqu'à parler d'urgence. Cela aurait très bien pu attendre demain, ne pensez-vous pas? Les chats et les loups préfèrent chasser la nuit. Ça m'aurait plu d'être un auteur de romans noirs. Par exemple, là, j'aurais pu caser quelques remarques ironiques du narrateur récapitulant ce que je venais de vivre. Les ruelles sombres et tortueuses de New York m'évoquaient mes états d'âme. Ouais. Bon. L'ombre de l'automne s'étendait sur... L'automne s'abattit sur moi avec la force des beaux jours perdus. Ça le fait moyen. L'automne m'écrasa de tout son poids, aussi pesant que ma mauvaise conscience. N'importe quoi. Mais qu'est-ce que tu fais? Il veut qu'il... L'automne s'insinuait dans mes os, comme la douleur après une bonne dérouillée. Médiocre, mais approprié. La quatrième fois que vous voyez une volée pour lui. Contre toute attente, le lendemain matin, je me suis réveillé avec l'œil vif et le poil luisant. Et cela, je le devais à mes sympathiques agresseurs. Mon passage à tabac avait laissé des traces, mais pour la première fois depuis des mois, j'avais dormi comme un bébé. Et enfin, Hélène, concentre-toi un peu. Bon, allez, 5 minutes de pause. On arrivera
C'est comme un bon feuilleton, j'avoue. Et là, faut que je vois souper, hein, on va continuer ça demain. Je vais jouer tantôt, par exemple. Eh bien, Monsieur Blackmore, que puis-je faire pour le FBI? Alors, c'était tout pour l'aventure du jeu Black Sad, live sur la chaîne du Caribou canadien. Oh yeah!